bonheur les amis, quel frisson j'ai eu rien qu'avec cette petite vidéo qui dure moins d'une minute, c'est incroyable. Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir sous vos yeux, on se retrouve pour Resident Evil 7, bien évidemment. On revient après un an sur ce jeu, c'était je pense l'aventure que vous avez le plus aimé venant de ma chaîne cette année 2017. Et ce n'est pas fini parce que deux DLC viennent tout juste de sortir avec Not a Hero où on incarne Chris Redfield et la fin de Zoé. Voilà, donc c'est avec une immense joie et un énorme plaisir qu'on se re-retrouve sur ce jeu incroyable. Comme d'habitude, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est du soutien et ça me fait très très chaud au cœur. Petit aparté, j'ai ouvert une boîte postale où vous pouvez m'écrire et m'envoyer ce que vous souhaitez, c'est en description. Il suffit de cliquer sur le lien Facebook et vous aurez tout l'article ainsi que l'adresse. On est parti les amis. Oh ce bonheur, vous imaginez même pas à quel point je suis content de retrouver ce jeu qui moi-même m'a énormément plu. C'est pour moi d'ailleurs peut-être le survival de cette année 2017. Evil Within 2 était très très bon, mais alors celui-là, clairement, on a vibré tous ensemble très 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 longtemps. Et c'était une expérience, encore une fois, juste incroyable. Not a Hero, pas un héros. Le combat d'Ethan est terminé. C'est maintenant au tour de Chris Redfield, héros de la lutte contre le bioterrorisme, de passer à l'action. Et on aura juste après la fin de Zoé, quelques semaines après, pas un héros, un nouveau danger fait son apparition. Joe Baker, le frère de Jack, doit faire face à ce danger avec ses poings et mettre un terme à la souffrance de sa famille. Ah oui, d'accord, donc le DLC Not a Hero a carrément un menu à lui tout seul. Ok, très très bien, on est parti. Je sais pas combien d'épisodes ça va faire, évidemment on part en normal. Ce DLC est beaucoup plus basé niveau action. Néanmoins, le DLC fin de Zoé sera normalement plus centré sur survival horror. C'est parti. C'est prêt? On peut commencer? J'en peux plus d'attendre. On a du boulot. On l'a perdu? Négatif. Ethan Winters est en sécurité. Il va bien malgré ce qui s'est passé. Et Lucas Baker? Pour l'instant, c'est notre seul lien avec les Connections. C'est le prochain sur ma liste. Bien, je suis dans la mine. Le signal est stable. Je te reçois 5 sur 5, Chris. On n'a pas obtenu grand-chose de la première unité avant de perdre contact. Mais apparemment, Lucas a fait de cette mine son repère. Combien d'hommes manquent à l'appel? 3 de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. Ok, on reprend donc juste après la fin de Resident Evil 7. On va enfin savoir ce qu'est devenu Lucas Baker, celui qui aimait bien tendre de sacrés pièges. Et on est donc reparti dans les mines. On fait chemin inverse cette fois-ci. Je me souviens plus trop des touches. Veuillez m'excuser si je me foire un petit peu au début. Oh, quel plaisir! Quel plaisir! Alors, ce DLC, c'est de l'action. Hein. C'est vraiment pour se remettre dans le bain. Et après, on aura la fin de Zoé aussi à faire. Ok. Deux balles devraient suffire, même si j'en ai foiré pas mal. Ok, lorsque vous frappez un ennemi, il est affaibli. Jusqu'ici, ça me paraît assez logique. Comment on se protège déjà? Oh, c'est terrible, je me souviens plus. Waouh! Ok. Aucun souci. Je ne sais plus du tout comment on se couvre, les gars. C'est assez terrible. C'est tout. Waouh! Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est L1. Ok, lui il est un peu plus chaud derrière. On va se calmer petit, on va se calmer. Bon,
Clairement, là, pour l'instant, on est direct dans le cœur de l'action. En plus, j'ai des armes, c'est plutôt cool. D'ailleurs, en parlant d'armes, non, mais les gars, c'est pas possible. Vous êtes une armée? Vous êtes une armée? Pourtant, Ethan était passé par là. Donc, Ethan est en sécurité. Ça, ça fait plaisir à entendre. On va peut-être aller... Oh, il y a plusieurs chemins, c'est terrible. C'est terrible. Les mines abandonnées. En plus, je suis déjà passé exactement par ici, il me semble. Mais en version chemin inverse, on n'a rien. On n'a rien du tout par ici. Est-ce que je peux faire un retournement rapide? Non. Non, 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 non. Je me souviens plus trop des touches. Ça va arriver avec le temps. En tout cas, c'est L1 tu te rapproches pour du se labo. Protéger. Une idée de ce que Lucas fabrique là-dedans? On analyse encore les données. Mais on dirait bien qu'il mène des expériences avec un mutamycète de type E. Espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes. Ok, d'accord, donc trois membres de l'équipage de Chris Redfield ont été pris en otage par Lucas Baker. Je pense clairement qu'il fait des expériences sur eux. Ils sont même peut-être sûrement déjà morts. Mais bon, by the way, c'est pas bien grave, les gars. Enfin, si, c'est grave, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible, c'est vrai que c'était mes meilleurs amis à la base. C'était des amis d'enfance. Ah oui, 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 on est déjà passé par là, je m'en souviens. Comme si c'était hier. Putain, déjà un an, les amis. Un an qu'on a vécu une aventure incroyable sur ce Resident Evil 7. Ça fait tellement plaisir. Ok, monsieur. Monsieur, vous allez bien? Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah, mauvaise nouvelle. C'est quoi ça? Ça risque pas d'arriver. Oh, je ferais pas ça si j'étais toi. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille, mes mains pourraient glisser... Lucas, arrête! Oups. Je te propose un truc, Chris. T'arrêtes de me suivre, et je te fais pas sauter la tête. Oh, ça vaut aussi pour tes petits copains soldats, hein. Adios. Muchachos. Je détecte des spores dans l'air. C'est le mutamycète de type E. Ton masque passera automatiquement en mode recycleur. Garde un œil sur ta réserve d'oxygène. Quoi? Oh là là, va y avoir une réserve d'oxygène à surveiller, ça risque d'être assez terrible. Donc faut que je me dépêche déjà. Oh putain, je perds pas mal de temps. C'est quoi la touche, putain? Ta bouteille d'oxygène est à 50%. Je m'en occupe. Je m'en occupe, j'essaye de sortir. Remède injectable. Ok, c'est par ici. Ok, on est bon. On dirait que tu es sorti de la zone contaminée. Vaudrait mieux que tu rentres pour qu'on désamorce cette bombe que tu as sur le bras. On n'a pas le temps. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. Compris. Mais sois prudent. D'accord, on a donc fixé par Lucas sur le bras. Lucas était un très bon personnage des Bakers. C'est celui qui aimait voir souffrir, mettre une énigme un peu à l'assaut et qui, finalement, c'était très rare de pouvoir se sortir d'une de ces énigmes sans perdre divers membres. Bien évidemment, comme les doigts, on avait fait un DLC où on jouait au Blackjack avec Lucas, enfin contre un de ses adversaires. Oh, il est très bon en esquive celui-là. Ok, oh, c'est pas mal ça! Merde! La bouteille d'oxygène est à 50%. Ok, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe, c'est rien, pas de panique. Oh là là, il me reste plus que 4 balles. Ça m'effraie un petit peu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et pour l'instant, on trouve aucune munition. Donc certes, on commence avec des armes bien chargées. Chris, on a fini l'analyse des données de Lucas qu'on avait interceptées. C'est ce qu'on pensait. Ce salopard a envoyé des rapports sur Evi aux Connections. Trouve-le et ramène-le. On peut pas laisser ça se reproduire. Tu me promets que vous voulez pas le recruter? Chris, on en a déjà parlé. Peut-être que le BSA est convaincu. Si c'était pas le cas, je serais pas là. Mais il faut que je digère le fait de travailler avec Umbrella. Je comprends que ce soit difficile, et pour être honnête, bon nombre de nos membres étaient avec nous avant même que l'on devienne une société militaire privée. Mais tout ce qui reste d'Umbrella, c'est le nom. Concentrons-nous sur la mission et peut-être qu'on pourra continuer cette conversation à ton retour. D'accord? Ouais, comme tu veux. Chose assez intéressante, pourquoi avoir repris le nom Umbrella, sachant son passif? Je rappelle que c'est Umbrella qui a déployé le virus T partout dans Raccoon City. Aïe 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 aïe, ça sent pas bon, ça sent clairement pas bon. Évidemment, c'est surtout pour faire une sorte de suite, hein, pour annoncer, à mon avis, Resident Evil 8. D'ailleurs, devrait sortir d'ici 1 ou 2 ans. Je miserai sur 2 ans maximum, vraiment, les gars. Ok, on a un chemin par ici. Pour l'instant, l'air, ça va, c'est plutôt propre. Qu'est-ce qu'on a là?
Ok, clairement, il m'invite à appuyer sur ce bouton. Ça risque d'être compliqué, on a pas mal de choses à faire. Un enregistreur. Oh, c'est bon, on peut save les gars. On continue notre incroyable aventure. Oh, mais c'est bon ça. Ok, on a pas mal de balles de fusil à pompe, documents de briefing. Ah, ça serait pas mal à lire ça peut-être, non? Ok, bougez pas les gars, bougez pas. Faut que je me souvienne des touches. Normalement pas du tout. Quelles sont donc ces touches incroyables? Je m'en souviens pas, je me souviens plus du tout des touches les gars. Donc je peux appuyer sur le clown. Ça va sûrement faire avancer ça. Ok, c'est pas grave. On va essayer de tout fouiller auparavant, les gars. On sait jamais. Ah, il y a deux stores. C'est compliqué. Ils mènent tous à des endroits incroyables. D'accord, bon. Voilà ce qu'on va faire. Déjà, on va appuyer. Ça me stresse. Ah, bah non. Bah non, parce qu'il faut une clé, tout simplement. Il faut une clé à rentrer. Oh putain, il y a encore un store ici. C'est terrible. C'est une terrible histoire qu'on a là. C'est une putain de terrible histoire. J'ai plus beaucoup de balles en plus, les mecs. Ça, c'est quoi? C'est un pompe, c'est quoi? Ça a l'air d'être un pompe, clairement. Ok, on va commencer par le tout premier store, les gars. On va faire les choses en ordre, d'accord? Vous me connaissez, j'aime bien quand c'est structuré. Donc, on va faire le vert. Ah, ça annonce rien de bon. J'aurais pris le store rouge en temps normal, étant donné que le bouton était rouge. Mais ça veut peut-être rien dire, sur le coup. De toute façon, à mon avis, il faut clairement faire les trois. On est parti dans ces mines-là. Il me reste un fusil à pompe. Par contre, ça serait bien que je trouve des balles de pistolet. Si Ethan, tu m'entends, est-ce que tu as laissé des balles quelque part? Étant donné que c'est moi qui ai vécu l'aventure, j'en ai plus aucune putain d'idée. Parce qu'il faut savoir que les mines, ça a été une petite partie du jeu Resident Evil 7, qui était d'ailleurs, je trouve, une très très bonne durée de vie. Parce qu'après, souvenez-vous, on était dans le bateau et c'était assez terrible. Ok, on retrouve le signe du clown. Sûrement une petite clé mine. Ah. Contamination de l'air. Ok. On fonce. On fonce. On perd pas de temps là-dedans. C'est verrouillé, pas de soucis. Oh putain, d'accord. Ok, j'ai compris. On back. Il me faut un filtre plus puissant. Allez, j'aurai peut-être pas le temps. Voilà, on se crée des petits dangers. Il me faut un filtre plus puissant, les gars. Là, ça sert à rien. On perd de temps. J'ai pas de clé pour ici non plus. C'est assez terrible. C'était pas ce store. On a tenté, les gars. Je pense vraiment que c'est le store rouge. On essaye le store rouge. On va essayer le store rouge. Je vais m'écouter. En tout cas, quel plaisir de revenir sur ce jeu. Repasser par ces chemins qui étaient assez compliqués. En plus de cela, on a enfin une suite de notre histoire. Et je sais pertinemment que cette suite va nous faire poser bien plus de questions que la fin de Resident Evil 7. Ok, c'est parti. Je pense vraiment que c'est le store rouge. Est-ce que j'avais raison? Oh, les gars, qu'est-ce qu'on a? Monsieur, vous souffrez? Est-ce que tu tiens le coup? Redfield. T'en fais pas. Je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici. Non, il est dans un piteux état, mec. Hein. Faut le laisser. Hein. Il faut le laisser, là. Hein. Là, Lucas, il a juste commencé à jouer avec. Ça risque d'être terrible, ce qui va se passer là-dedans. Quoi? Quelle est cette sombrerie? Quelle est cette putain de sombrerie? Elle est où, la sortie? Elle sera là, devant, derrière? Vas-y, on va miser ici. On va tabler ici. C'est ici, c'est bon. Yo. Ok, on est parti. Ça fait du bien de repasser. Je sais que je vous vois arriver à 10 000 km. Vous voulez du survival, vous voulez de l'horreur. Mais ça fait du bien de reprendre Resident Evil 7 avec une phase d'action. Histoire de récupérer un peu le maniement, le gameplay. Waouh. Ok, Call of Duty time, les gars. C'est bon, ça. 4 headshots, bon. Je sais pas si c'est... Oh putain, c'est chiant. Je sais pas si c'est... mon nombre de... Oh, wow. Ok. C'est compliqué, oh. Grenado. Pas mal. Ok. Non, ils se mettent tous à ramper, c'est terrible. Ok, j'y vais au couteau, les gars. Waouh! C'est un combat d'homme. C'est un combat d'homme, putain! Waouh! Oh, c'est ce qu'il va croire. Oh, mais ce joueur! Ce joueur de renom!
Et c'est parti sur une patate très rapidement pour le joueur franco-italien. On y va au couteau, putain. Voilà, mon pote. Oh, j'ai tranché de la carotide. Mais vous êtes combien? Mais c'est terrible. C'est une invasion. Aïe, c'est rien. Ok. Ça dégage, ça m'a saoulé, tu me racontes ta vie. What? What? Ok. C'est bon les gars, je les ai réglés. Pas de soucis. Je sais pas combien ils étaient. J'en ai fichtrement aucune idée. J'ai des remèdes injectables, je suppose que c'est des heals. Non, vous êtes combien les gars? Abusez pas. Eh, j'ai pas munitions limitées, hein. J'aurais dû me les faire au couteau dès le début de l'aventure, je le savais. Oh, mission de pistolet. Oh putain, vous êtes mes héros. Parce qu'au final, je ne suis pas un héros, MDR. On rebondit. Ok. Oh, mission de pistolet. Vous êtes mes héros. Ok. Une roue dentée, les gars. Une roue dentée, très bien. J'apprécie. Une grenade. On trouve pas mal de petits trucs sympas, là. Waouh. Waouh. Ok. Eux, ils sont terribles. Vous êtes mort, monsieur? Ok. C'est... Alors, les sortes de chiens, mais les gars, ça me suivra toute ma vie, je pense. Hein. Que ce soit Evil Within 2 ou celui-là, ça me suivra toute ma vie, ces putains de cabots. Ok, on va mettre la roue, évidemment, forcément. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il y a un bras. C'est totalement un bras que nous avons là. C'est totalement un putain de bras. Ok. On a la manivelle cette fois. Oh putain. Une grenade neurotoxique. Ça c'est très très bon. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas c'est génial. Ok, on a une caisse. On a une caisse. Donc c'est parti, on se retrouve. Munition de pistolet. Je dis oui messieurs. Je dis oui avec grand plaisir et grand bonheur. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette caisse? J'aimerais bien tirer dessus. Vous voyez? J'aimerais bien tirer dessus. Est-ce qu'avant cela, il n'y a pas un mécanisme? Si, il y a toujours un mécanisme ici. Ok, c'est parti. Ça devrait le faire. Ça va le faire, ça va. Quoi? 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 Mais vous êtes énormes! Ok. D'accord. T'es donc en train de me dire qu'il est totalement immortel. T'es donc en train de me dire qu'il est totalement immortel. C'est impeccable. Wow, monsieur, vous êtes phénoménal. Tu peux me dire à quoi j'ai affaire? Aucune idée. On n'a jamais vu ça. Sois extrêmement prudent. Ah! Il court! Mais le mort. Il est derrière moi! S'il vous plaît, monsieur! Quoi? Oh bah là, je suis désolé. Oh putain, putain de merde. C'est rien, les gars, c'est rien. On se casse, on a la clé. Là, c'est du Fort Boyard, hein. Vous connaissez les bails. Ok, on peut se casser. Bon. Très bien, donc ces gentils messieurs sont totalement immortels, d'accord? Vous l'aurez compris, c'est incroyable. On apprécie l'immortalité. D'autres personnes sont immortelles par ici? C'est le moment de se pointer. Ok, on y va, hein. Je pense qu'on peut y aller. On a une clé, je sais pas ce qu'elle ouvre. Je pense qu'elle ouvre un truc dans un autre store qui m'offrira une clé qui ouvre dans... Faudra revenir ici, les gars. Vous avez vu, il y avait la porte avec le clou. Faudra revenir ici, attendez. Et perché, c'était assez terrible. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode d'ailleurs. Ah bah attends, soldat, j'arrive. Monsieur, vous allez bien? Ça va aller maintenant. C'est ce qu'il veut te faire croire. Je suis juste un appât. Tu t'es fait avoir. Quoi? Et merde. Prends le filtre. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Je suis mort de toute façon.
Il a raison, Chris. Adieu. Waouh! DK! Non! Ah! Ah! Arrête! Arrêtez! Personne, je panique! Bon, il est mort, hein. Désolé, j'ai paniqué, j'ai rien pu faire. Je suis mort. Je suis totalement mort. Cette vie de nul. Fallait partir, c'est terrible! Damn! Bon, première mort, les gars, premier épisode, première mort. Je savais pas, je préférais voir un ami, voir ses derniers mots. Ses derniers mots qui, je le rappelle, étaient et voilà. Et mais ça m'a fait plaisir. Je retransmettrai ça à sa famille. On est reparti, les gars. On est reparti. Il a raison, Chris. DK! Non! Bon, allez, on se casse, ça m'a saoulé. Mais laissez-moi partir, monsieur! Mais. Maki, on ne peut plus plapper. Oh là là! Je commence à parler chinois! C'était pas ça l'issue de ce combat! Deux! Ah, j'aurais pas le temps, hein! Non! Ah, putain! Bon, mais comment on récupère ce putain de filtre, merde! Bon, il faut essayer de comprendre où est ce putain de filtre, les gars. Parce que j'ai beau essayer d'appuyer sur A. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Maquet, il a mis trop bas. Je suis mort de toute allez, façon. Allez, récupère, putain. Y a pas de truc croix qui s'affiche. Il a raison, Chris. Adieu. DK! Non! Ok, on peut rien faire. Ok. Ah, on a vu son œil. J'ai ramassé le casque. Ok, je pense que c'est ça. C'est bon, j'ai. J'aurais pas le temps. Je suis désolé. Mais j'aurais pas le temps. Ah, c'est bon, c'est un suspense à la japonaise. Ok, c'est bon, on a un plus gros filtre, normalement, on tiendra donc deux fois plus longtemps. Le problème de Lucas, c'est qu'il n'avait plus la tête sur les épaules. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Votre filtre a été amélioré. Nickel, les gars. C'est un grand plaisir. C'est un immense plaisir même. On peut retourner dans le tout premier store et essayer d'y récupérer une clé. Mais avant cela, on va bien évidemment sauvegarder. J'ai hâte de mettre le grappin sur cet enfoiré. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Ouais. Pas mal, j'aime bien ce petit dialogue parce que tu vois, Chris il est en mode, il a pas trop confiance aussi. Je rappelle que là on bosse pour Umbrella Corporation. Pourquoi il le faut vivant? C'est une très bonne question qu'on tentera de répondre lors du prochain épisode les amis. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et encore une fois, quel plaisir de revenir sur ce jeu. Ça fait extrêmement plaisir, à bientôt tout le monde, portez-vous bien. Bisous tout le monde, ciao.